Okay, listo. Adelante. Hola. Nada, dos palabras para empezar antes de la grabación. La película no es brevísima, son 90 minutos, pero va absorbiendo como la atención de uno. Al principio es un poco complicado entrar en feeling con la película porque tiene un carácter amateur, es decir, el artista que conoceréis enseguida va acompañado de su cámara durante todo el recorrido. Y entonces la grabación, el sonido tienen como ese carácter un poco de on the road, ¿no? Hay un momento al principio de la película bueno, que quisiera alertar pues, para los que tengan como cierta sensibilidad o que puedan tener como la sensibilidad de que le afecten las imágenes, porque hay un momento en el que Martens acompaña a una familia y entonces el padre bueno, de varios niños le habla sobre la desnutrición de una de ellas y aparecen unas imágenes un poco fuertes con la cámara en modo nocturno, ¿no? Entonces, no sé, si alguien prefiere ahorrarse la visión de ese momento, pues que cuando empiece el momento nocturno, pues que deje de mirar. O sea, no, no es una, o sea, es más como el entorno, pero es una imagen impactante. Y bueno, sí, hay otras. Lo que pasa es que quizá con las que tienen que ver con la hambruna estamos más familiarizados, pero al verla en el caso de niños, pues bueno, cierta sensibilidad extra, ¿no? Y bueno, es una película compleja que toca diferentes puntos que hemos hablado en la asignatura, desde cómo se genera una noticia, el sensacionalismo que a veces hay asociado y necesario para que circulen en el entorno y diversidad de prensa, ¿no? También el artista que involucra pues en este caso a un público que no se sabe público y bueno, el propósito final, ¿no? También de una obra de arte que en este caso renuncia a tener una repercusión en la vida de las personas, pero que al final también la tiene, ¿no? Entonces, más bien pasamos la película y después al final pues me vuelvo a conectar. En este momento solamente estamos Gabriela, Angie y Fabiola, pero bueno, en tal caso que os vayáis uniendo, pues vemos si al final hay quórum para comentarla y si no la comentaremos en pequeño comité aquellos que estemos, ¿ok? Entonces, sin más, voy a pasarla. Aquí empieza. En tout cas, mais il souffre. Il souffre. Il souffre. Nous travaillons beaucoup et on ne gagne pas. On est tassé de cette société. Aujourd'hui, on est parti, boy. Ok, on soukisse. Aujourd'hui, on est parti, mon souci. Ok, on soukisse. On soukisse. On soukisse. Encore un coup, oui, on continue quand vous êtes après 3 jours. Oui, vous avez présence, il y a 200 francs. Bon, il y a un talent, hein. Au coup, si ça m'a encore demandé, hein.
Il y a des grands poissons ici. Oui. Il y en a. On va monter là-bas, à pied. Ça, c'est tout ce que vous avez attrapé. Ça, c'est tous les poissons. C'est pas beaucoup. Monsieur, je vous conseille de pêcher les autres choses que les poissons. Petit combo na yo. You can't give them anything that they don't already have. You shouldn't give them anything they don't already have. What you should do is train them, empower them. You know, there's new opportunities. The world has changed, and there's new markets, new products. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Jusqu'où? Oh, ça va. Ah. Jusqu'au fond. Et permettez, vous venez où? Hein? Vous venez où? Comment vous venez? Non, c'est... Je vous demande pour comprendre seulement. Ah oui, oui. Ah, on vient de là-bas et on va par là. Ah. Oui.
On a fait le point hier et le bail de fonds est effectivement dépassé 1,94 milliard de dollars américains. Voilà, rapidement. Les confrères journalistes ont certainement des questions qu'ils vont devoir vous poser, qui commencent. Vous présentez d'abord. Oui, je suis Renzo Martins, hollandais. Je fais un film ici au Congo. Dans le montant qui a été accordé annuellement, donc c'était 1,8 milliard de dollars, quelque chose comme ça. Quelle partie ça représente dans le revenu total du Congo? Ça, c'est gentil. Oui. Quelle est la partie Ce 1,8 milliard de dollars, quelle est la partie dans le revenu total du Congo? Et si c'est un montant, un pourcentage élevé, j'aimerais bien savoir si alors la lutte contre la pauvreté, pour lesquelles 1,8 milliard de dollars sont, est alors une ressource naturelle très importante pour le Congo pour l'instant, peut-être le plus important. D'abord, la pauvreté, ce n'est pas une ressource naturelle. La pauvreté, c'est un défi commun pour la communauté internationale. Il est vrai que l'aide au développement apporte à la RDC plus d'argent que le cuivre, le coltan et le diamant, même ensemble. Mais c'est normal parce que c'est comme ça que se développe une situation post-conflit. Oui. Est-ce que vous comptez acheter des photos? Je crois. Ah oui. Dans votre plantation, disons. Oui, je vais l'acheter. Donc c'est vos travailleurs là sur les photos. Probablement, oui. Oui. Probablement. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez ces images? En voyant ces images, vous voyez que, comme ici, oui. Je pense directement au village, au masque de l'habitation de nos ancêtres. Et juste aujourd'hui, j'espère que ça continue. Ah. Cela fait pareil. Le fait de vous, le fait de silence. Oui. Mais vous ne pensez pas que les gens sur l'image souffrent? Oui, les gens souffrent, oui. Actuellement, ils vont dans le pays, effectivement, les gens souffrent. You think the people in the picture are poor or rich? Which ones? Well, these ones, for example, or that one.
Ça prend 2 jours ou bien quoi? 2 jours à 3, peut-être. 3, tu vois? C'est 3 jours. J'ai commencé de là jusqu'ici. Je dois recommencer d'ici et terminer aussi là. De recommencer pour la 3e jour, d'avoir une présence. Ça appartient à M. Blackner. C'est une société de M. Blackner. Nous sommes un groupe de 24 sociétés. Et nous, ici, nous sommes la CCP, compagnie de commerce et de plantation. Et nous exploitons les panneaux et les cafés. Notre société prend à d'autres sociétés qui exportent. Et c'est exporté où? C'est exporté en Europe et en Belgique. C'est sur votre chemise qu'il y avait tous les différents sociétés de, du groupe. Où est-ce que je peux le voir? Ici. Sonja. Là, c'est le groupe de M. Platner. Et vous êtes le directeur de personnel? C'est le chef du personnel. Okay. Il y a à peu près combien de travailleurs ici? Actuellement, nous utilisons 924 travailleurs engagés. Et plus ou moins 5000 travailleurs journaliers temporaires. Qu'est-ce que je dois manger? Voici, donc, est en train de préparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va préparer. On va voir. On va voir. Moi, je sais. On peut voir maintenant. Voilà. C'est que je mange souvent. Après le travail, je mange la fête de manioc. Et me voici accompagné aussi avec autre sorte de feuilles que je peux nourrir les enfants. Tu vois? Tu vois les feuilles là que je peux donner à moi, j'en ai mes enfants. Il n'y a que ça. C'est une souris, c'est quoi un arlinal? Poco. Asa Poco? Ça, c'est quoi? Ce sont les provenances des enfants malnutris qu'on avait dépistés le mois d'octobre. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez dans les chiffres? Dans les chiffres ici, vous voyez qu'il y a. Ce sont les mêmes villages qu'on a trouvé beaucoup d'enfants malnutris. Lesquels? Ce sont des accès. Il y a Cécépine et puis Cécépine. Et ça, c'était le dépistage dans quel cadre? Oui, le dépistage dans le cadre humanitaire, quoi. Avec quel organisme? Avec l'MSF. Rentrez, on est ici. D'abord, ici. Voici les documents qu'on m'a signés. Mais je ne comprends pas. Elle dit la remise en service n'est pas automatique. Elle dépend de nos besoins en main-d'œuvre. Donc vous avez toujours travaillé? Je suis toujours en travail. Chaque jour, je travaille. Mais sans contrat maintenant. Le contrat est terminé. Si on vous engage, comme je suis en train d'être maintenant un journalier, si je travaille après des années, on me réengage encore.
et après on met assaini. On fait des tours en tour. Ça sonne? Oui. C'est comme ça. La vie malheureuse. La vie malheureuse. OK. Elle n'a pas dormi. Elle ne dort pas. Chaque jour. Là, le possède. Yes. Le jeu gonfle. La nuit, c'est. En tout cas, une grande plainte. Les pieds aussi, c'est les pieds. Telle situation. Docteur Bonjour. J'ai parlé avec un docteur qui avait dit que la situation de santé pour les enfants était mieux pour les gens qui font le chant eux-mêmes que pour les gens qui travaillent. Ça, c'est vrai. Les enfants de celle qui travaille à la compagnie ne sont pas en bonne santé. Non. La plupart de ces enfants font la malnutrition. Et ce qui est vrai, c'est que. Vous me confirmez, du moment que les gens travaillent pour une compagnie forestière, etc., les enfants sont mal nourris, tandis que si. Ça, je confirme. Si seulement vous pouvez pénétrer les camps de société, vous aurez la confirmation de ce que je suis en train de dire. Le logement de travail, c'est bon. Il faut qu'il y ait une différence entre les travailleurs et les chômeurs. Puis les travailleurs, chaque fin du mois, ils reçoivent quelque chose. Mais et malgré ça, ils vivent comme ça. Malgré ça. Mais ils vivent comme les gens qui vivent au village. Pour eux, c'est les travailleurs pour la société. Comment? Ça, c'est tous la famille. Les enfants des travailleurs pour la société. C'est votre fils, Madame Mwananayo? Il vient de perdre 3 enfants sur le même camp. C'est l'insuffisance monétaire. Comment un demi par mois, comment est-ce qu'il devrait nourrir les enfants? Voir même un enfant. Est-ce que vous voulez nourrir avec les demi-francs congolais? C'est une pépinière qui. Ça, c'est l'usine d'huile de palme. Ça, c'est la plantation. Et là, vous voyez, si c'est bien une plantation, elle devrait faire comme un jardin. Vous voyez, c'est comme un jardin. Ça doit être ultra propre. Oui. Et les gens doivent pouvoir marcher et pouvoir récolter sans problème et sans difficulté. Ça, c'est une bonne plantation. Ça, c'est une belle plantation. Bon, ça, c'est en noir et blanc. Mm-hmm. C'est plus, disons, on peut dire, c'est plus artistique qu'autre chose. Oui. Et ça, c'est encore vu d'en haut. Mais bon, on voit très mal. Mais quand, encore une fois, c'est artistique. Hein. C'est pas une photo où on montre l'usine. Hein. Bon. Non. Ça, c'est un de vos travailleurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance les fruits vers une grille, rien de spécial. Oui. J'ai visité plusieurs de vos plantations et j'ai pu constater, c'est des gens qui me l'ont dit,
parmi lesquels aussi votre personnel médical, qui a, même sur les plantations, qui a beaucoup de malnutrition parmi les enfants. Je comprends que ce n'est pas dans votre intérêt d'avoir des enfants mal nourris. Je le comprends que ce n'est pas votre faute non plus. Non, mais comment ça se fait? Le problème, encore une fois, c'est de vérifier la malnutrition commence à quel moment et c'est quoi la définition de cette malnutrition? Mais les enfants qui ont des endèmes, qui ont leur... Et ce sont les employés de la société. Oui. C'est bien possible. Il y a MSF qui est à Bassin Cousseau. Et ce que j'ai trouvé là, c'est par exemple leur centre de nutrition. Et on voit que donc, c'est les enfants de cette région, de cette région, de cette région. Et on voit que par exemple, la 16 CCPNDEKE et l'ISAFA 15. Tout à fait, aussi. CCPNDEKE. 16. Ça, c'est la provenance des enfants. Hein. Prenons le fait que 16 sur. Allez, nous avons 2000 ouvriers, chacune. Chacun prenant 4 enfants, ça fait 8 000 enfants, on peut dire. Fort possible. 8 000 ou 10 000 enfants, et il y en a 16. Mais non, est-ce que ces 16 sont dus au fait qu'ils n'ont pas des moyens pour payer leur manger, ou bien ils ont une famille qui est déracinée, ou un père qui est un soulard, qui bat son enfant? Vous savez, en Occident, il y a aussi des problèmes qui sont liés à soi-disant la pauvreté. Tout dépend du pourcentage. Mmh. 16 sur 8 000, je trouve que c'est pas mal. Mmh. Ou même 100 sur 8 000, est-ce que c'est dû à l'argent? Mmh. À discuter. Mmh. À discuter. Oui, c'est un enfant malnutri. Avec les termes généralisés qui avaient pris son nom. Maintenant, il est hypoglycémique. Automatique, maintenant, moi, il y a. Et dans la table, il y a Mali, ça l'a nous dit. Ça, c'est quoi? Non, c'est ici. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec cette enfant? C'est encore, je ne sais pas, c'est guerre. Puis avec la maman, vraiment, elle ne pouvait pas voir cet âge. Alors finalement, on va voir. Pourquoi il faut une autorisation? Est-ce que vous renforcez les capacités dans l'Équateur? Non. La situation est plus grave ailleurs qu'ici, alors. Je ne sais pas, je ne sais pas pour la dire. Ok, merci beaucoup. Mais ici, vous quittez. Oui. Ça fait partie. Parce que normalement, ils doivent aller là où il y a des besoins. C'est ça leur mandat. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas se comprendre parce qu'ils avaient toutes les statistiques. Et nous avons, et aussi, ils disposent de ces statistiques. Mais quand elle a mentionné ça, c'est vraiment un problème
particulier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Maintenant, on voit que ils sont, comme ils ne sont plus chez vous, ils sont juste à l'est. À l'est, oui, oui. Actuellement, ils sont plus à l'est. Là où il y a aussi. There's a shadow hanging like a beggar girl from door to door. Man needs a make. Man needs a Attendez un peu. Vous voyez là, quoi? Ah non, c'est pas pauvreté, c'est poverty, c'est en anglais. Ouais. Puisque pour le public, ça doit être anglais. Ouais. Ils sont au Lobaka, Lingala, puis français. Bato oyo bakota la makambo yokuna na mikili ya mindele, bato na bazalini ba Lobaka anglais. Yango wana omoni ba représenter yango na ba lettres nyonso oyo bakomi awa enjoy, c'est-à-dire nalingi poverty to linga linga c'est un impératif. Donc voilà linga hein, enjoy linga bobola hein, linga to sepela na bobola. Donc, c'est ça.
in de Boulevard heel jeugd, er is altijd een grote buitenlandse mijnmaatschappij geweest. Maar die kon niet opereren. Die zijn op een gegeven moment vertrokken omdat er oorlog was. Nu is er hier een veilige omgeving. Er is hier een hele veld van goud zit hier. Dus dat ziet er gunstig uit. Maar voor de maatschappij natuurlijk het plezier erbij zijn, want het is gewoon een veilige omgeving. Ja. C'est quel avion? L'avion, c'est pour les sondeurs, une société pour... La société, qui fait le travail des sondages. Eux, ils viennent, c'est eux qui viennent prendre ça? Oui, ça va prendre ça. What is in the bags? Il y a mabanga. Mabanga, en français, c'est quoi? Non, ce sont les roches. Et on fait des échantillons pour trouver quoi? Pour la cause. Là, mais vous pouvez poser la question à l'autre. Qui est l'expert? Pour trouver. On fait la recherche de l'or. C'est pour quelle compagnie? C'est Achat, donc AngloGold Achat. Your plane does also bring medicine, or? Yeah, if there's medicine that comes in, if there is medicine to be brought in, it does. Medicine for your guys, then? No, also, if there's an Anglo Sanctuary, apparently they buy medicine for the locals, local people, and they bring it in there. You control everything. You also control samples or not? Samples, yeah. Yeah. Control. Mm-hmm. Okay. Et on dirait comme vous avez beaucoup l'or ici dans votre terrain, vous deviez être des orbites. Nous, on ne connaît pas parce que c'est une chose qui se trouve sous-sol. Avec l'œil comme ça, vous ne pouvez pas voir. Why did Manu deploy to this place? He was to clamp down on the militia, actually, yeah. Why was the militia so active here? Because of the gold. Manu's presence is instrumental to your operation. Oh, definitely. The local militia, and then they got scared of Monaco. Firepower that they've got. So, nothing to compare to what the militia got. I mean, Monaco's got a lot more. Right. So it makes our job a lot safer. So we can do what we have to do. Right? Comment ça se fait que les gens de Mongwan ou disons via l'État congolais, pourquoi vous ne pouvez pas exploiter vous-même avec des grandes machines comme ça votre or? Financement.
On va où maintenant, tu sais? On va voir tout à l'heure ici. Elle est en position. Ah oui. Il y a des cadavres. Ils sont, il y a déjà eu des journalistes qui sont venus pour les photographier. Je ne sais pas. Allo? Ti posso richiamare dopo? Ciao. Sì, ciao. Sì, sì, ciao. Nous avons patronné nos gens de l'autre colline là-bas. Oui, ceux de l'autre côté, partout là-bas. Vous en avez beaucoup déjà? Oui, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Mais nous avons seulement une difficulté, c'est les faire mourir, parce qu'ils sont nombreux. Ça, la population, c'est un peu difficile. Sont eux qui nous aident à faire d'autres choses. C'est eux aussi qui payent le prix pour la guerre un peu. Non, ils ne payent pas le prix pour la guerre, ils n'ont pas cet argent pour payer. Non, mais je veux dire, ils vous nourrissent, parfois ils meurent s'il y a des batailles. Bon, s'il ils sont déplacés aussi. Ils sont déplacés, oui, ils sont déplacés. Bon, vous savez, ils sont nos parents, nous sommes leurs enfants. Et si nous nous battons, c'est pour leur intérêt. Oui, c'est nous qui sommes les perdants d'ailleurs parce que nous mourons au front. Mais eux, ils sont en train de bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de les défendre. Oui. Les Américains, eux aussi, ils sont en train de récupérer leur part. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois. Chacun cherche sa part. Ici, c'est comme si nous sommes aux sources. Et chacun vient puiser de l'eau et part avec ça chez lui. Quand je serai président, pour la première fois, ce que je ferai, si je suis président, quand je suis à Kinshasa, lorsque j'enlève ici de l'Ituri, ça doit d'abord construire l'Ituri avant de construire ailleurs. Yeah, well, that's it. Where are you from? I'm from Italy, but I'm based in Kigali. And I cover the Congo and the Great Lakes.
when I work for Agence France. Oui. Can I ask how much you get for one? Yeah, page? Sure, $50. $50 for one page. Yeah. So you have to make a lot just to cover your expenses. But, you know, it's no, because the expenses are paid. Are paid. Are completely paid. Full paid. When you're making this documentary and if it's like for news, yes, and you think it has a news value, yes, then we pay about $300 per story used. Oh. And usually our stories are not more than a minute and a half. Right. And what kind of stories do you need then? Unfortunately, it seems the only time they're interested in stories these days is if there's something negative. So usually it has to be a disaster or a right. humanitarian crisis or dead people or something like. But if they have a nice parade and they have a carnival, then we're not interested. I understand that. But it's not me. It's oh, I see. It's supply and demand. I guess it's a market out there. And it's a market. Who is the owner of these pictures? Whose property is the picture? I'm the owner of the picture. You're the owner. I mean, I can use it if I want to make a vernissage or yes. book. Yes. Not with any money, how do you say? You don't have to pay for that, yes. And the people that are on the pictures, like the people that you have photographed, are they the owners of the pictures too or not? No. You are the owner. And the people on the pictures, they own nothing. No, because I took the picture. You took the picture. So I'm the photographer and I'm the author of the picture. But they organize everything that is on the picture. You just yes. came and made a picture, no? They have organized everything. What do you mean, organized? Well, the situation that you make the picture of, they made the situation. But not because due to me. No, not because of you. No, yeah, sure. But it's me that's... make of that situation a picture. Right. There is a thousand situation here, but it's me. It's me that I choose the one that I think is a good picture, and that makes that picture mine. Okay. Responsible for this camp? No, not for this camp. For another camp. Okay. And that's for this one. All right. No. And how is the situation of the refugees generally, or the IEPs generally speaking? Oh, it's really, really bad situation. Yeah. I mean, there are more and more new arrivals coming in. They have been traumatized and suffering. Are all the plastic sheeting, is it all with logos? Most of them, yes. Yeah. So if people want to have no rain in their heads, they have to have a logo stuck on their house. Well, what do you mean? Well, for example, they don't like the rain, yes? Mm-hmm. They want to be dry in the evening. Mm-hmm. But then, so they get a logo, but then it has and they get a plastic sheeting and it always has a logo on it? Most of them have it, yeah, most of them. No, and what if they want to be... What if they don't want the logo? Is there any plastic sheeting without logo? In the new site, there is a... In the new site, which is created by UNHCR, there's some plastic sheeting. It doesn't have a logo. But this is donated by the government. All right. Yeah. So if...
But, yeah, but normally UNICEF or UNHCR, they all have a logo. Why is that? Visibility. Also visibility, yeah. This is Renzo Marcus. Yeah. Thank you for being here. I think most people, when they think about aid, they imagine that it's providing, you know, hospitals or schools or providing textbooks or that kind of thing. They don't realise that between a quarter and a half of all aid is spent on something called technical assistance. I think I read in the report that, to put a figure on it, that 70 to 90% of some countries' aid in one way or the other flows back to the country that gave the aid. Exactly, yeah. It seems like it's basically, it's when the donor is effectively putting their own interests above the interests of the poor countries that aid is supposed to help. La question fondamentale est à qui appartient la pauvreté? Si on peut la vendre, ça veut dire que c'est important de savoir qui est le chef, le doyen, le propriétaire de cette pauvreté. Parce que ça rapporte les ressources des bailleurs de fonds, même des individus comme peut-être mon père, ils pensent non, c'est quand même terrible, je vois sur les photos que là en Afrique, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, moi je vais verser $50 à telle ou telle ONG. Donc vous n'êtes pas que des bénéficiaires de la bénévolence d'autrui, il y a IRM ou WWF ou BAM qui viennent pour vous aider et vous devez être merci beaucoup de nous aider, non. Vous êtes aussi des acteurs très importants pour le monde. Parce que, en fait, si la pauvreté est un don qui a été donné pour qu'on peut mieux comprendre la vie, vous le redonnez aussi au monde. Il y a des autres gens qui viennent vous visiter. C'est quelque chose qui nous rend heureux dans un certain sens. Il y aura toujours des gens qui viennent vous visiter, prendre des photos, soi-disant financer les projets. Et puis, c'est eux qui ont les photos, c'est eux qui ont, disons, gratuitement capturé votre pauvreté, et vous n'en bénéficiez pas tellement. C'est une ressource. Bolingo, ça veut dire quoi? C'est les logistiques, l'eau des sociétés. Vous pouvez un peu montrer votre magasin? Ici. C'est là où on travaille souvent. Ça, c'est l'institut. C'est votre nom de famille, Bolingo? Bolingo, ça veut dire l'amour. Mais ici, il y a aussi un photographe qui fait des photos? Oui, nous sommes ici. Moi, je fais des photos. Ah, c'est ça le travail que vous faites normalement? C'est pour les... C'est l'autre pour des cérémonies de mariage. C'est pour faire ça. Ça coûte combien pour faire les photos? Les photos, c'est 0,75. C'est 0,75. Par photo. Oui. Dollars. Oui. Moi, je suis venu ici avant que vous étiez là. Il n'y avait personne dans la ville. Mais moi, je suis venu avec beaucoup de journalistes qui prenaient des photos. Ce que je me demande. Normalement, vous photographiez les gens comme ça, là-bas, quand ils ont une fête, quoi.
et les photographes qui viennent de l'Europe ou des États-Unis, ils viennent pour filmer, pas la fête, ils viennent pour filmer un peu la misère. Pourquoi? Quel est leur intérêt là-dedans? Pourquoi ils font ça? Ça, c'est laissé pour les Américains quand même. Pour? Ce sont eux qui connaissent leur intérêt, mais moi, je ne sais pas l'intérêt. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'avez pas d'opinion là-dessus? On doit faire un choix sur à base rationnelle. Donc, pas par la tradition. Par exemple, ah oui, nous on fait la pêche parce que mon ancêtre a déjà fait la pêche. On doit calculer, est-ce que la pêche ça rapporte plus ou bien est-ce qu'il y a encore autre chose qui va plus rapporter? Donc, il y a deux options. La fête, et ici on fait les... la guerre, mais il faut bien spécialiser la guerre. En fait, c'est les femmes violées et les cadavres. Deux pellicules, hein, c'est ça. Ça coûte $3. Deux fois développé, ça coûte $6. Non, 12. Oui, 19,4. Donc, 34 fois 0,6, c'est 24,4. On voit donc que vous gagnez $1 par mois en faisant photographe de fête. Option, filmer la guerre, 20 photos par mois, fois $50. Ça fait $1,000. Si vous voyez bien la différence, option, filmer et photographier les fêtes, $1 de bénéfice par mois, après qu'on a déduit les frais. Pour l'option femme violée, cadavre, et on ajoute enfant mal nourri, on voit $1,000 par mois. Vous voyez que, que les deux options ne sont pas pareilles. Moi, je vois que même si nous filmons pas peut-être les cadavres, les femmes violées, les enfants mal nourris, oui. Bon, on ne peut pas même trouver là où on peut vendre nos photos. Ah. Nous n'avons pas accès au marché. En tout cas, nous avons cet espoir que vous allez nous aider. Donc, par exemple, comme ça, c'est bien. Oui. Et si vous n'avez pas le logo dans l'image, ça ne sert à rien. C'est trop loin, il faut approcher. Allez plus proche. Oui. Il faut choisir des bonnes positions, il faut essayer, améliorer. Il faut lui dire de travailler. Tout ça, le monsieur, l'herbe, la situation, c'est vous qui choisissez. Quel est le bon moment pour prendre la photo? Donc, malgré le fait que lui fait la situation, c'est lui qui travaille, c'est sa maison, c'est vous qui choisissez le moment. Et à part cause de ça, c'est vous le propriétaire de l'image, et pas lui. Est-ce qu'on peut prendre le signe par ici? Oui, mais calmement, il faut peut-être... Monsieur Anicet, je pense que la meilleure image, c'est là à l'intérieur, avec l'enfant qui est là. Il faut demander la permission. Oui, avec l'enfant, la maman. La maman avec l'enfant. Oui, allez. Ça, c'est bon, Marine, d'accord. Alors, quand vite, ou bien. Donc, elle dit son mari, son épouse, elle est déjà morte dans les combats de l'ouragan. Maintenant même? Oui, il est ici, oui, c'est là. Donc là, vous pouvez prendre la photo et dire oui, c'est une veuve de guerre avec son enfant. C'est déjà ça. C'est tout. Il n'y a plus d'autre. Jalai nasatu.
Vous voyez comment les gens s'apprennent à appuyer sous une population ici. Restez comme ça. Malheureusement, on n'a pas de trajet. 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 Je veux exprimer qu'ils ne sont pas venus ici pour aider les gens. Ils ne sont pas venus pour servir les gens. Ainsi, nous sommes venus seulement ici pour prendre leurs problèmes. Ainsi, s'il y a moyen, on peut les faire transférer au Sibérie, puisqu'il y a un peu de matelas. Oui, où sont les enfants les plus sévèrement mal nourris? C'est ici ou bien ici à côté? C'est parce qu'il y a toutes les salles, surtout ici, à ce bloc. Il faut faire une photo, c'est bon. Allez-y. Ça, c'est trop vite, il faut prendre le temps. Il faut faire lentement, il faut trouver le bon angle, il faut prendre le temps. Allez. Il y en a qui sont passés, on n'a jamais vu des semaines. C'est le journaliste MSN. Docteur, quand les photographes sont venus, vous avez aussi enlevé les vêtements pour faire les photos. Il faut comprendre si vous avez de cette situation ici à Kanya, si vous avez deux bonnes photos ou bien trois, c'est OK. Il ne faut pas avoir 30 000 photos. Si vous avez deux ou trois qui sont forts, c'est pour ça que c'est important de choisir les cas qui sont les plus graves. Comme ça, vous pouvez montrer directement. Et ici, on voit aussi les côtes. Donc ça, si les gens voient ça, ils comprennent directement que c'est très, très grave. Ça, c'est des photos que vous pouvez voir. Ça, c'est des photos que vous pouvez voir. Donc, il faut bien choisir ces sujets. Bon, si quand on fait si mal au bas, et pas na, et qu'on a vu sur mon père à Yaki, on a vu sur Aïbisabiso, et là on nini, on a quoi qu'on ait bisabiso toyo quand je vous passe. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas que des gens qui doivent recevoir de l'aide, vous êtes aussi des gens qui aident le reste du monde. Donc on va lancer là la publicité pour les téléspectateurs chez eux à la maison ou bien dans des salles d'exposition, sans doute ils sont favorables à l'idée que des Africains eux-mêmes, ils vont prendre en charge leurs propres ressources. OK, ça c'est tout.
me charge d'arriver là-bas chez vous pour expliquer que les choses qui se passent ici, les problèmes qui se passent ici. Nous sommes venus, nous sommes pauvres d'abord. Nous sommes les manquements d'argent. L'argent pour partir. Et manquement aussi de quoi? Why don't you, if you have free time, why don't you come to the IDP place at Ndele? I have some kind of community-based group meeting telling them about, them about how they are important people to the world. So it would be good if we could more understand that, you know, poverty is actually a reason. All right, it's Renzo Martin. Renzo Martin. Ce que j'aimerais demander, c'est ceci. J'aimerais demander si nous aussi, si nous continuons à prendre les enfants mal nourris. Oui. Soit les femmes violées, soit des autres, les photos de guerre, on va nous donner des carreaux comme celle-ci. Parce les cartes que, presse. Oui, les cartes presse. C'est ce que nous voulons. Oui. Ça? Oui, ça. C'est ce que nous cherchons aussi. Alors, être libre et parti. Lui qui donne de telles cartes. Bonjour. On est là pour voir Monsieur Fred. Oui. Je vous présente ici les photographes de Kanya Bayonga. Peut-être la question primaire, c'est les photographes ici présents, ils ont pu constater que les photographes internationaux font des reportages des enfants mal nourris, des femmes violées, etc. Et que là-dedans, il y a beaucoup plus de l'argent que en photographiant des fêtes ou bien des mariages. Donc, on aimerait bien vous demander si eux aussi, comme le font les photographes internationaux, peuvent venir photographier donc, dans vos hôpitaux, si possible. Mais en fait, tu lui demandes si effectivement on veut bien se faire photographier pour qu'il puisse vendre ses photos. Oui, oui. C'est grosso modo, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu trouves ça correct? Oui, parce que moi... Non, mais est-ce que moi... Là, par contre, là, je vais faire très attention à ce que je dis. Parce que moi, je suis responsable de mes patients et je ne suis pas là pour exhiber la misère de mes patients et je ne suis pas là pour qu'on utilise les patients... les mamans les enfants malnutris ou les patients au sein de l'hôpital pour qu'on fasse de l'argent sur eux. Et effectivement, moi, je ne suis pas là pour que Médecins Sans Frontières a posé le logo Médecins Sans Frontières sur une photo pour faire du fric. Là, c'est clair que pour moi, c'est non. Mais les photographes ou internationaux qui viennent chez vous, ils vendent ça aussi Non, nous, c'est parti effectivement d'une communication. Mais s'ils le vendent aussi, si quelqu'un, un photographe de Libération ou bien de New York Times ou je ne sais pas quoi, vient pour faire quelque chose sur le Congo, vous allez dire non parce que c'est parce que vous allez faire de l'argent. Parce qu'il vient faire de l'information, il ne vient pas faire de l'argent et on sait exactement pourquoi ces photos sont prises. Et je ne sais pas, ça a l'air de te choquer.
Moi, ça ne me choque pas vraiment. Mais le problème général reste un peu que moi, je vois qu'eux sont dans la pauvreté, ne peuvent pas en tirer des bénéfices, tandis que beaucoup les autres acteurs, y compris... Il faudrait, tu vois, dans cette photo-là, il faut aussi déjà faire des, produire des choses qui puissent, je ne sais pas, moi, tu veux, on peut mettre deux photos l'une à côté de l'autre, ce n'est pas bon pour faire honte. C'est que pour vendre des images, il y a du travail. Faire une image, ce n'est pas uniquement appuyer sur un bouton. Je pense que ça va échouer. Parce que on dit que vos photos ne sont pas assez bien, parce que vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas accès à l'internet. J'ai l'impression que il y a beaucoup de contraintes. Et bien sûr, vous pouvez toujours continuer à filmer. Partout en Afrique, il y a des plantations comme ici, avec des gens qui gagnent pas beaucoup. Si vous allez attendre jusqu'au moment que votre salaire augmente pour être heureux, vous allez être malheureux toute la vie. Nous serons d'accord d'avoir ce que vous avez préparé pour nous lorsque vous serez de retour. Il n'y a rien préparé. Il n'y a rien préparé. Rien. Bon, lorsque vous serez de retour, là, vous ne pouvez pas donner de rapport. Rien. Pourquoi vous êtes béni? Pour vous dire que vous devez plutôt jouir de la pauvreté plutôt que la combattre et d'être malheureux. Est-ce que vous voulez être malheureux toute votre vie parce que vous avez la pauvreté? Non. Donc il faut juste l'accepter comme elle est. Comme ça, vous pouvez être heureux malgré la pauvreté. Oui, c'est un petit peu. Non, pas de changement. Ça reste comme ça. En tout cas, si vous ne pouvez pas changer, là, vous pouvez quand même être un peu tranquille dans le cœur. Oui. Mais pour la projection, est-ce que ça s'intéresse? Le film, ça sera montré en Europe, pas ici. En Europe? Oui. Merci. Nous ne voulons pas combattre la pauvreté. Nous voulons être aidés par la pauvreté. Ça, c'est bien. Nous acceptons d'être aidés malgré la pauvreté. C'est ça. Nous acceptons d'être aidés. C'est ça que je voudrais vous dire. Ouais. Faire l'expérience de votre souffrance, ça me rend aussi une meilleure personne. Donc c'est vraiment un service que vous me rendez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ces enfants leur prêchent, leur passe alors une bonne nouvelle. Comment vivre dans la souffrance? Comment rester dans la souffrance? Voyez leur joie vous-même.
succéder. Llama. Je vous remercie. Ils ont mangé avec une grande bon appétit. Hein? Moi aussi, je dois vous remercier parce que, en fait, avec le travail que vous faites presque gratuitement, c'est pour ça aussi que je pense que c'est pratiquement impossible que votre situation va changer. Hein. Vous allez toujours garder un travail comme ça avec très peu d'argent. Et là, en Europe, on ne veut pas que le cacao, ou bien le café, ou bien l'huile de palme, ou bien le coltan, ou bien tout ça. Non, on ne veut pas que ça monte, le prix. Allez, écoute, s'il vous plaît. Donc, l'homme a besoin de salaire, que ce soit l'autre pays. Donc, l'homme a nécessaire d'avoir un bon salaire. Mais vous travaillez ici depuis combien de temps déjà? Vous travaillez ici depuis combien de temps? C'est tous les temps que je travaille ici. Combien de temps? Déjà 10 ans, moins. Est-ce que vous avez une télévision? Est-ce que vous avez une télévision? Ici, oui. Je ne possède pas. Est-ce que vous avez l'électricité? Rien. L'eau courante? Rien. Un vélo? Rien.
La radio? Rien. Mais vous aviez entré dans ma maison. Vous avez un costume? Rien. Des chaussures en cuir? Rien. Donc moi, je ne pense pas, si pendant 10 ans, vous n'avez pas pu obtenir ça, je ne pense pas que vous allez l'obtenir bientôt. Voilà, au CPL, il n'a caché un nid. Ça, c'est le logo? Oui, c'est un logo, hein? Oui. Et expliquez-moi, pourquoi pas fait ça, le logo, là? Pourquoi on a fait le logo? Vous voulez pas? Non, je vous demande pour me répondre aussi, de connaître ça. Oui. C'est méritable. Je vous ai autorisé parce que je vois du bien chez vous. Vous m'aviez aidé. Ils ont déjà presque tout fini, hein? À manger la dernière morceau. Ok, merci. Que je la mange. Oui. Merci de me servir, hein? Oui, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, restez chez vous, dans votre pays. Parce que vous vivez mal comme vous autres ici. Nous sommes mal utilisés ici, donc on nous utilise ici comme des bêtes. Une situation bizarre, très bizarre déjà. Ah, c'est bien préparé. Et en tout cas, c'est bien préparé vraiment. Si on mange comme ça, vraiment, je serai ingressable. Hein. Après 3 jours, je serai vraiment au bout. C'est véritable. Le Dieu existe parce que je n'ai pas crié. Je devrais manger de la charte ensemble avec mes enfants. C'est un bon goût. Je vous remercie beaucoup, c'est monsieur Renzo. Oui. Ok. Ça, c'est bien. Merci. Merci. Ça va. Man, that river is back. Crocodiles, piranhas, and other things in there. Big snakes. Fish go, no. Who are you? I'm Brenda. Keith Snow, how are you? Keith Armin Snow, I'm a human rights investigator and a journalist. A war reporter. I've been working in the Congo for a while, trying to document the interests behind the war and the awful human rights atrocities that no one's really covering, or few people are covering. Today was a chance to meet the... How did you get here? To meet the people. I've been traveling downriver from Bongandanga, which is upstream on the Lopori. Anyway, quite a stream. When you're afraid of everything being bitten off at every particular...
I wasn't thinking to meet a white man here. No, it's quite unusual. Are you here to pillage, rape, and steal like the other white people? No, I'm here to teach them how to deal with life. Yeah. What about the water? It looks black. It's very black. It's very black. You look down, you can't see anything except your own fear. S'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses sans nul autre